Allez, c'est parti, Q2 de ce Grand Prix d'Autriche. On va suivre Jérémy pour l'instant. Allez, arrivé au premier secteur, c'est Jérémy. Oh, c'est Duff. C'est Duff en 18.8. C'est Duff en 18.8. Il est extrêmement rapide. On va voir ça. On va voir si ça se confirme. Alors, Jérémy récupère le meilleur secteur, deuxième secteur pour l'instant, 35.4. Effectivement. Duff en 35.9 dans le deuxième secteur. Allez, Jérémy qui est bien parti pour faire le meilleur temps là, dans ce premier tour. Tu m'as suivi peut-être. Non, parce que j'ai levé les traits. Mais... Allez, on en... En 1-21-389. 1-21-389 pour Jérémy. Duff deuxième. Duff deuxième à 6 dixième. 1-21-958. Duff 18.8. Excellent premier secteur, Duff. À chaque fois. Ah, tu m'as super avec Keplo. J'ai pensé à toi quand c'était touché. Allez, Duff qui améliore son deuxième secteur, 35.8. Maeva va peut-être finir à peu près dans les mêmes temps que Duff. 21-766. 21-958, Duff n'a pas amélioré. Et Jérémy non plus. Ah, Duff très large. Oh, Duff très large et tête à queue pour Duff en plus en haut. Jérémy améliore son premier secteur. Maeva également. Elle est égale, Maeva est égale dans son deuxième secteur en 35.5. Elle est meilleure, une 21-285. Une 21-285, que va faire Jérémy? Jérémy se loupe, sorti. Duff a priori n'égale. Eltrist améliore 5ème, une 23-182. Oui, il améliore, reste 4ème, une 22-547. Malfit au pit. Maeva, elle est très loin, 19.5 dans le premier secteur.
Will 19.0, il améliore son record perso dans le premier secteur, améliore son record perso dans le deuxième. Reste quatrième Will, mais il améliore encore. Combien d'écart avec Duff? Ouais, Duff a encore une petite marge, 4 dixièmes. Jérémy qui sent son tour de... Le premier tour de... du second relais. Tour de chauffe. Point 1. A priori c'est moins bon. C'est le record pour l'instant de Maeva dans le deuxième secteur, record absolu. Will va au pit. Will va au pit. Alors on va passer peut-être sur Eltrist. On n'a pas vu pour l'instant. Et qui passe quatrième, une 22-359. Eltrist. Allez, du côté de Jérémy. Premier secteur en 19.1. C'est loupé. Il a relâché son effort. Maeva, que va-t-elle faire? 19.0 pour Eltrist dans le premier secteur. 19.0 pour Eltrist. On va voir ça de plus près. Eltrist qui se loupe dans le dernier secteur. Dans le dernier secteur. C'est dommage après un si bon départ. 18.9 pour Duff dans le premier secteur. 19.0 pour Jérémy. Allons voir du côté de Duff. Que va faire? Il était en 45.4, c'est normal, c'est son tour de relance. c'est lent, c'est très lent. Effectivement, c'était, ça s'entendait, et donc on va voir Jérémy. Il est passé à nouveau quatrième. Et Jérémy prend la tête. Une 21-241. Mais Maeva n'a peut-être pas dit son dernier mot. Oui, également, 18.9. Attention. Alors, qui est en avance? C'est Maeva. On ira voir du côté de Will juste après. Alors qu'on est à la mi-temps. Il reste 10 minutes précisément maintenant. Allez, la dernière ligne droite pour Maeva. Maeva reprend la tête. Maeva reprend la tête. On va aller voir du côté de Will. Will va peut-être aller s'emparer de la
conforter sa quatrième place, pardon. Ah oui, il améliore, il passe troisième, devant Neuf. Allez, du côté de Neuf, du coup, allons-y. Allez, Jérémy est devant. Jérémy va faire un grand coup, là. Oh oui, Jérémy, 1.20.818, les temps qui tombent maintenant. Et Neuf n'a pas amélioré, de toute façon. Allez, du côté de Maeva. Du coup, on va aller du côté de Maeva. Une fin de qualif complètement folle. Une deuxième partie de qualif. Ça se répond. Jérémy, Maeva, Will, Duff. Eltriste. Ah, Eltriste qui descend encore. Duff qui descend encore le premier secteur en 18.7. Ça va peut-être être compliqué pour Maeva de répondre à Jérémy. Elle améliore mais reste deuxième. Alors, qui va-t-on voir? Peut-être Duff du coup. Allez, d'abord Will. Et oui, il est loin, il améliorera pas. Pas d'amélioration. Du côté de Duff par contre, ça peut-être améliorer. Ouais, ça va être compliqué, un deuxième secteur en 35.9. Malgré son excellent temps, premier secteur. Ah, ce sera trop loin. Alors, Maeva a amélioré son premier secteur. Elle améliore, Maeva elle passe en tête, une 28.112. Une 28.112. Ouais, les deux premiers secteurs, effectivement, améliorer le premier et deuxième meilleur secteur absolu, 35 secondes. Allons peut-être voir du côté d'Eltriste. Amélioration. Il reste cinquième, Eltriste, pour l'instant. Duff est très loin, et topique de toute façon. Ah, je vais retirer quand même les paramètres, mais bon, je suis sûr qu'on est en rapide quand même. Ah oui, j'aime pas regarder entre les deux. Oui, je pense en finale. Hein. Au niveau de la conso, ça fait pas ouais. Du dame. Hein. Ouais, carrément. Non, je pense juste que voilà, les pneus suivent moi. Bon, pareil, si tu dérives, ça coûte à rien, de toute façon, pas bon. Pas plus mal que pour moi, parce que si ça se pisse, il faut pas les pneus. J'avoue. C'est pas bon pour Alcris, par contre. Mais lui, il va pas s'arrêter. Ah ouais, il va faire comme les 24. Triste, continue. Reste 5ème et meilleur. Il n'y a plus que 13 millièmes entre Duff et Eltriste. 13 millièmes. Je sais pas quand tu faire la première séance. 19.5 dans le premier secteur pour Jérémy, c'est très lent. Il n'y a que 6 millièmes entre Maeva et Jérémy. 6 millièmes. Attention, c'est pas encore fini. D'accord, on a plus de technique pour eux.
18.9 pour Will dans le premier secteur. Eltris continue à descendre et attention, il n'y a plus que 13 millièmes. Ouais, je suis dégoûté. Aïe 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 aïe, alors qu'Eltris était super bien parti pour déloger Duff de sa quatrième place. Alors Maeva en 19.9, ça sera compliqué. Jérémy en 18.9, ça peut être intéressant. Duff en 18.8, c'est encore mieux. J'ai l'impression que comme la piste use pas beaucoup les pneus, le premier tour, les pneus sont vraiment froids. Quoi. Du coup, ah, il faut vraiment de bons tours. Hein. Allez, dernier virage pour Will, troisième actuellement. N'améliore pas Maeva. Ensuite, on ira du côté de Jérémy. Mais elle est loin de toute façon. Ah, il améliore Jérémy. Il améliore. Ah, du côté de Duff, par contre, ça l'améliore pas. Eltris, lui, continue à descendre. Malfi, record en 26.615. Et Will en 18.7, il est très en forme. Allez, du côté de, peut-être d'Eltris, 5ème. Il va falloir être très attentif là, ça risque d'être un feu d'artifice pour la fin de course, la fin de cette qualif. Amélioration, Eltris reste derrière. Eltris reste 10 millièmes. Eltris reste derrière pour l'instant. Allez, Will, troisième. Il reste troisième et il améliore. C'est très bien. Maeva derrière. Maeva n'améliore pas. Pas plus que Jérémy. Duff non plus. Allez, chacun passe son tour. Will encore un 18.7 dans le premier secteur. Et c'est pas terminé parce qu'on a Eltris qui revient à la charge, fin de son tour. On sera à temps d'aller après sur Will, Maeva. Il y a que 10 millièmes, il y a que 10 millièmes entre Duff et Eltris. Et Eltris passe, Eltris passe. Oh, et très bon tour de Will, très bon tour de Will. C'est le dernier tour, de toute façon. Et Will conforte sa troisième place. Maeva. Maeva se loupe. Et Jérémy en a fini également, il n'aura pas le temps de finir. Bien joué, Trist. Et voilà, ouais, j'aurais pu faire mieux, je suis deg. En faisant ce chrono, j'étais en retard de 0,500. Ah oui. Et tout à l'heure, j'étais en retard de 0,200. T'es en avance de 0,500? Non. Ah. En faisant ce chrono là. D'accord. Le dernier secteur, j'étais en rouge de 0,500. Ouais. Ouais. Mais le tour d'avance, si je ne fais pas le tête à queue, j'étais en avance, j'étais en retard de 0,200. Ah d'accord, d'accord. Donc j'arrivais encore à être en avance sur le premier secteur. Moi aussi. Ouais. 0,12. Ah, 0,12, bien. Bon, je suis content.